Bonjour l'américain pour la French Family. Alors bonjour à tous. Voici il y a quelques temps que j'ai pas posté de vidéo. Pourquoi? Par raison, j'étais en vacances et grosse période creuse entre le mois de juillet et aujourd'hui le mois de septembre. Donc aujourd'hui on est le 4 septembre et on a enfin commencé à moissonner. Pour vous dire à quel point les cultures sont en retard. On moissonne le blé de printemps pour dire qu'il est mûr, à peu près mûr quoi. On récolte entre 16 et 13% d'humidité, ce qui est pas folichon folichon pour être en septembre quoi. C'est un peu entre deux feux quoi. On est bon. Bien qu'il fait quand même assez chaud pour ce début de mois de septembre, pour cette fin d'août ici quoi. On a des températures de 30, 30, 33, 35 degrés. Tous les jours, ça fait 3 semaines qu'il n'a pas plu. Et voilà quoi. Bon, les premières pluies et le refroidissement du climat devraient pas trop tarder. Faut pas oublier qu'on est au nord Dakota, qu'on n'est pas dans le sud de la France ou je ne sais où. Voilà quoi. On récolte du blé à peu près pour donner un ordre de rendement du 25, 20, 25 quintaux au hectare. Actuellement on tourne avec deux batteuses, deux barres de coupe d'une de 10 mètres et d'une de 12 mètres quoi. Deux grosses barres de coupe quoi pour. Le débit de chantier c'est plutôt impressionnant quoi. On n'est pas loin de peut-être. Sûrement plus de, je pourrais pas vous donner d'ordinaire, sûrement plus de 100 hectares par jour quoi. C'est pour dire que c'est vite expédié ces cultures de la récolte du blé quoi. Pour vous dire le maïs est d'autant plus en retard. Voilà à quel stade il est. Stade laiteux il est au stade laiteux début septembre. Souffre énormément énormément du manque d'eau. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon, on verra bien. Mon patron s'apprête déjà à récolter sous la neige. Le fait qu'il y a encore peut-être un bon mois avant de récolter, voire plus, un mois et quelques semaines en plus avant de récolter les premiers maïs quoi. À coup sûr ça sera sous la neige et dans les températures négatives. Ça sera plutôt marrant quoi. C'est plutôt cool. À part ça, pas grand chose hein. Quoi vous dire? On va vous parler un peu de la culture du blé encore. Ils traitent le blé 10 jours avant la récolte au Roundup pour désherber encore et tuer les derniers blés, les derniers grains verts et faire sécher au maximum la culture quoi. Voilà quoi. Après le traitement du Roundup, on passe le. On attend 10 jours et il est pour dire récolté quoi. Après, moi je me charge du transport du grain. Vous pouvez voir mes camions à l'arrière, pas de permis poids lourd, rien du tout quoi. Pose pas trop de soucis. Ici on a trois camions, j'ai trois camions de ce côté, de l'autre côté si vous pouvez voir au fond, vous pourrez sûrement pas voir. Un semi-remorque et un autre camion à trois axes. Plutôt sympa à conduire quoi. Bon, les camions sont pas de dernière génération mais plutôt marrant de conduire ça quoi. On a que des camions. Enfin non. On a deux camions. Le semi-remorque est diesel et le 3 axes diesel, sinon le reste est essence. Voilà quoi. Et voilà quoi. Donc la batteuse là s'apprête à décharger.
Il jette pas mal. Je pense. Ça c'est du beau. Là, c'est une roue étroite quand même. Et celui-là il le tracte pas, il le laisse sur la parcelle. Il le laisse au bord de la parcelle. Ça c'est aussi du bel épandeur, hein. Du beau pulvé ça, non? Et la rampe. Mon dieu, ça c'est un gros ça. 49-40, mon patron il a un 48-30. Les garde-boue se arrondit sur les nouvelles séries là. Derrière ça. J'aime pas trop. Je vais faire le carré à l'arrière du série compte. Série 20, le 6210, excellent. Oh, t'as vu, ouais, des petites bandes, petite chaîne, Cathy, chaîne étroite.
Rejection!